non, t'inquiète, je sais, t'inquiète. C'est impossible qu'il. De toute façon, Bon. tu t'échapperais pas, Boudbaba. Moi, la seule T'es bien en discussion. cellule avec nous. Je suis très bien, moi. Voilà, J'ai nickel. ma petite télé, j'ai ma petite binouze là, mon petit plat de l'Ardès d'hier. Voilà. Moi, Ah, c'est la belle vie. tout ce qu'on allait faire avec Schrödz, c'est se serrer Ouais. la main et se dire la best rouya. Adieu. Et adieu aussi. La best rouya, adieu. Voilà. Bah voilà, nickel Faut pas ça. s'inquiéter. Bah ouais. Bah ouais, mon ami. Et sinon, tu t'appelles comment, Shoto Todoroki? Alpha. Alpha, Gamma. Oh, il y a. Attends, Alpha. Attends, c'est quoi déjà les trucs? Alpha, Gamma, Beta, Roméo? Quoi, Roméo? Non, c'est quoi déjà les noms de Mais code? il est fou ou quoi? Alpha, Gamma, Beta. Hôtel, Echo, Sierra, Lima, Gamma. Bien vu. Dofla. Non. Attends. Dofla, Ah, il est Delta, Delta, très. Delta, Delta. Delta, Delta, Il y a un mec qui Delta. s'appelle Delta dans tes collègues. Non, on n'a pas de Delta encore. Ah, j'en étais sûr. Tu veux être Oméga. notre Delta? Oméga. Moi, je vais être Oméga, moi. Non, Omega, c'est déjà pris. Epsilon. Merde. Non, bah non, eux, je suis en train de les arrêter un par un. C'est quoi ça d'ailleurs? Quoi? En fait, je pensais que c'était un nom de code, mais je me suis trompé. Mais du coup, ça me fait rappeler qu'on m'a déjà parlé d'Epsilon. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un groupe de criminels. Ah, mais je pensais que c'était vous, moi. Mais non. C'est un groupe de criminels autre, comme un groupe de Diego Bis, quoi, version 2. Wow, en moins. En moins organisé. Enfin, Diego, quand même, c'était un terroriste international qui avait toute une île pour lui tout seul. Ouais, je comprends. Et Epsilon, c'est quoi leur particularité? C'est quoi leur palmarès? C'est des tutos. Ah oui, ils sont forts en hack? Non, c'est pas vrai. En vrai, pendant un moment, on les a pris pour des guignols. Et bah, la marque que j'ai sur le visage, c'est eux. Oh. Mais répète sans miauler. Je vais te niquer ta mère. Là, c'est C'est bon bon. ça ou pas? C'est bon, c'est bon. Ah, la marque sur le visage, putain, ils t'ont fait ça comment? Ils ont dû te cramer avec un lance-flamme, The Bee? Ouais, c'est pas grave, je l'aurais bien rendu. Et comment? La même chose. Ça veut dire un mec des Epsilon, il a la gueule cramée lui aussi. Oh! Frérot, j'ai une info pour toi. Subhanallah, Vas-y, j'ai une info de dis-moi. fou. Dis-moi. Écoute, écoute, écoute. Tu vois, j'étais à une prise d'otage avec Balthazar. Ouais. Il est mort, que son amour Ouais, repose en paix. je sais, Et ouais. il y a un Non, mec de qu'elle la repose pas en police. paix. Il y a un mec de Ouais. la police, son visage, il était cramé comme toi. Ouais, mais c'était il y a 8 ans, là, ce que t'es en train de me dire. Non, 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 c'était il y a 2 semaines. Non, pas 2 semaines, j'abuse. C'était il y a 3 semaines max. Et il s'est fait ça récemment. Et c'est un mec de la police, un Renoir. Il a le visage cramé sur la moitié du visage. Je lui ai dit, ouais, tu t'es fait ça comment? Et bref, vu qu'on était en intervention, il voulait pas me dire. Il avait l'air mystérieux en tout cas. Et peut-être y a un mec de Epsilon qui travaille à la police. Ok, je vais vérifier l'information. Ouais, ça, je te mets bien là. Mais par contre, il est souvent cagoulé. Et il a enlevé sa cagoule juste pour me montrer. Il m'a dit ça, c'est ce qu'on m'a fait et tout. Après, je Il me suis ressemble à moqué de lui. quoi? Ça, il ressemble à. Je me moque pas tant, hein, mais il ressemble à Michael Jackson, ça, vraiment. Ok. C'est la seule comparaison que je peux trouver, Michael Jackson. Ça va, ça se passe bien au-dessus? C'est quoi ça? Bouge pas, Ça hein, va, j'arrive. Maria? Excuse, j'ai mis ça parce que ça me gênait. Attends, je vais voir s'ils mettent des cœurs pour toi, Maria. Je me connais des deux, donne plein de moi là, la tête. Comme ça. Maria, les gens, ils te mettent des cœurs. Encore? Ouais, tout le Quand temps. il entend mon nom, c'est que c'est Ouais. bon. Mais, putain, mais lui, il est venu jusqu'à là, mais il me laisse pas. C'est moi, j'ai posé, excuse-moi. J'ai vu ça là, j'ai posé là-bas, Tiens, j'aurais les pas dû. cœurs comme ils apparaissent, regarde. Hein? Les cœurs comme ils apparaissent. Ouais, mais c'est pour toi. Ils disent écrit Maria en majuscule. Écrit Maria. Mais grand. Mais il y a un autre. Il y a un autre qui me ressemble parce qu'il est. Voilà, vraiment. Putain, mais il est fou, le gars. Il est
Ah, je sais pas si t'as entendu. Srud! C'est toi, Srud? Srud, c'est toi? Oui! Putain, t'as mis du temps, je t'attends depuis tout à l'heure. Rentre dans ta cellule là, depuis tout à l'heure. Oui. C'est le M, c'est le Allô? S. Bah Oui, oui, dites-moi. Maria, c'est le S. Wesh, comment j'ai fait pour tomber? Pourquoi il est en prison? Je viens d'arriver. Je suis en prison sur l'île de Poyo Calico là. Parce que le groupe de Diego il est mort, le FBI a perquis l'île, ils m'ont foutu Ah. en tôle. J'ai un mec de Quantico, Washington qui veut te parler, tu te rends compte ou pas? De Quanchito Washington. Toi, t'as fait des bêtises, toi. Non, non, non. Ah, faut que tu m'emmènes à lui pour lui parler parce que c'est mon colis UPS. Ouais, je sais, il va venir, là, je vais le faire descendre, t'inquiète. C'est mon livreur UPS, c'est pour. J'ai commandé un colis aux States, il y a les frais de douane, faut que je les paye. Je suis Amazon, moi, fils de pute. Non, ça, je sais pas c'est qui. Moi, j'attends ce rude. Bah, Srod, il a pas l'air de venir. Ça se trouve, il s'en bat les couilles de toi en vrai. Ce fils de pute, j'ai tout fait pour lui. Putain. T'as fait quoi pour lui? Rien, ça. Ça, j'ai rien fait. Mais pour toutes ces barres, ces heures de rire qu'on a passées et tout, il me doit au moins ça, ce con. C'est vrai, Ce un nos SDF actes de merde. manqués. Un être manqué, tout est. Attends. Un être Une manqué, personne te tout est manque. dépeuplé. Ouais, ça, un être te manque et tout est dépeuplé. Ouais, voilà. Vas-y, sors-moi ta meilleure citation, genre celle qui vraiment tu passes pour un mec stylé quand tu la sors. Ok. Ah, attends. Elle est dans un coin de ma tête. Putain, dommage, je m'en rappelle plus exactement. Ah, dommage, Mais réfléchis bien. c'est la haine engendre le sacrifice et le sacrifice engendre la haine. Tu dis ça, Oh. tu vois, après je sais pas si tu fais si t'es toujours en étude, tu vois, mais tu dis Ouais. ça le jour de la rentrée. Non, je suis pas en études, je suis FIB. Ah oui, c'est vrai. Bah tu vois la rentrée de classe du Du FIB, FIB, ouais. le 1er, 3e, c'est 3 septembre là, tu viens et Ouais. tu dis ça et toute la promo va te prendre pour un mec grave mystérieux. Vas-y. Non, sinon, tu sais, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis œil pour œil, C'est dent pour dent dent. pour dent, mais tu prends celle, je sais plus c'était dans quel manga, et après il rajoute mal pour mal. Oh le flow. Oh le T'as flow trop de sa flow. Tu mère. dis ça avec une petite voix ténébreuse Oh là, le et flow. t'as trop de flow. Tu Vas-y, dis essaye ça. avec une petite voix ténébreuse, mets-toi dans. Attends, je sais. Ok, ça marche. Vas-y, prends ta meilleure voix là. Ah, c'est ça, Code Breaker. Œil pour œil, dent pour dent, Ouais. mal pour mal. Ah, bonsoir, collègue. What the fuck? Ouais. C'est Heisenberg. C'est Jesse. Arrêtez de faire bosser Jesse, il en a marre. Miskin Jesse, depuis la saison 1, il en a marre de cuisiner de la meth. Moi? Je parle à quelqu'un, ils sont en train de l'emprisonner dans le jeu, ils font de lui un esclave. Ah non, 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 non. Là, je parle dans le jeu. Mais tu sais, moi quand je fais quand même, tu sais comment je regarde, moi je vole, je vous dénonce. T'as vu Oui. ça? Ils sont où mes gars? Ciao Maria. Salut! Hé, la prochaine fois, je vais Ah ouais, non, non, j'ai déconné, j'aurais dû mettre ça là. Je vais Ah ranger ouais? après. On Sors, déconne sors, pas, sors, 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 mais. sors, sors, fils de pute, sors! Oh! Sors! Quoi? What the fuck? Cours, cours! Qu'est-ce qui se passe? Cours! Sreux, depuis tout à l'heure, j'attends, qu'est-ce qui se passe? Il est Nique passé ta où? mère, viens!
What the fuck? C'est où la sortie, putain? Scud, on va se faire péter. Putain, tu crois pas? Ouais, je sais, putain. Viens, viens, viens. Mais ils sont passés où? Viens, 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 attends, doucement. Je peux l'ouvrir moi, attends. Putain. Cache-toi, cache-toi. Qui nous attend là dehors? Tu vois des mecs ou pas? Non, non, je vois rien. À 3, on court à la sortie. C'est où? C'est là-bas à droite? 2, 3. Ta pute, t'es enfermé depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai cru que t'allais pas venir. Mais t'es fou quoi? Il y a 20 000 galères, fallait que je vienne. Mais ça, et devait... Un mec... ouais. Ça devait être une simple visite de base. Ils vont nous enculer si on fait ça. Eh, hey, il sait pas que je suis là. Ils savent pas. Ok, yes. On repart en hélico? Non, 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 mon ami, il a un bateau. Il a un bateau. Oh, lourd. Eh, hey, on a un petit... T'es mal là-bas, tu le vois, c'est là-bas, c'est là-bas. Oh, trop lourd. C'est le... oh. Il est encore plus beau que le Sunny. Eh, hey, je te jure, c'est... ça mettait des OST de One Piece quand on est venu. Je vois. Alors, très tu bien. Faisais quoi, cellule? Ça te disait quoi quand tu parlais avec les gens? Ça, je disais que du bien de toi. Que il me parlait de toi, je disais du bien. Ah, merci mon pote, merci. Srotti, Srotsa. Srotti, Srotsa. Oh. Attends, mais il est où ce fils de pute? Ton bateau, tu l'as appelé comment? Mais c'est pas à moi, c'est à mon pote. Je suis là. Oh, t'es où? Oh. Ouais. Ouais, mon pote, c'est bon. Eh, hey, ton bateau, attends, tu l'as appelé comment? T'as fait exploser Caio Perico, espèce de fou. Ah. Quoi? Non. Ouais, ça va? Ça va. Ton bateau, tu l'as appelé comment? Je l'ai appelé Marquis. S'il te plaît, appelle-le Lionel, Lionel le boss. Bah vas-y, tu t'arrangeras avec le mec qui me l'a loué, hein. Ouais, ça se dérange pas. Okay, ça loué. Merci par beaucoup. Par contre, il y avait un chien avec nous, ça faisait des aventures. T'as Scooby-Doo, mais il est mort dans l'eau. Oh putain. Oh, cours, mais... cours, mais reste digne, Harry. Oh, je peux avoir un débrief, Freud, là? C'est à mon prime, t'inquiète. Je t'expliquerai. Je crois qu'il faut sauter dans l'eau là, non? Ouais, je vas-y, crois bien. Vas-y, en premier, vas-y, saute. Plonge, plonge, plonge. C'est profond, t'inquiète. Non, mais je suis vieux, moi. On l'a fait au calanque. Oh, il a sauté. Je vais la sauter. Ouais, c'est bon, ça, ça passe. Il est où, Scrub? Ah, j'ai cru que t'étais mort. Non, fils de pute, t'as fait 3 saltos, j'ai j'ai cru que t'étais décédé. Oh, ton gros crâne, comment il a tapé la roche. J'étais... Oh, yo, les gars, vous avez vu ce qu'il y a sous l'eau? Y'a quoi? Regardez, sous l'eau, y'a des putains de mines. Mais non. Des mines? Wesh, c'est quoi ça? Prends ça, fait un trou. Yo, les gars, le bateau, il est à 15 cm des mines, c'est la de mer. Mais on doit faire quoi? Mais c'est quoi ça? Mais comment ça? What the fuck? Les mines, elles sont triangulaires. Merde! Amine, je suis KO! Mais y'a des mines! Attends. Amine, s'il te plaît. Putain, oh, yes. Reste digne. Eh, j'arrive pas à nager. On peut passer ou pas, Junior? Bah yo, j'en sais rien, moi. Eh, répète sans miauler. Oh!
La vie de ma mère est 2000. Wesh, 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 wesh. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, c'est les mines de Crash Bandicoot. Yo. Wow, 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 monte, attends. Oh. Crash Bandicoot. Vas-y, monte. Putain, mais toi, tu t'es garé sur les deux seules mines dans la mer. T'es fou? Ouais, 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 faut faire gaffe. Sinon, les mines vont nous tuer. Oh, bordel. Oh là là. Oh, bordel. Merci infiniment ouais, de m'avoir bon. Délivré de cette île. Je commençais à devenir fou avec ces gardes de merde. Ah, mon pote, là, le premier truc que tu dois faire, c'est magasin de vêtements et coiffeur. Ouais, je vais faire mais quoi, ça. Mais quoi, t'es genre un prisonnier de guerre, toi? Bah, en fait, j'étais sur l'île de l'époque de Diego. Je suis allé dormir dans les buissons, ils l'ont tué, et après ils ont fait de moi un otage sur l'île. Ok. Tu bossais pour Diego? Non, mais j'allais bosser pour lui. Et pile quand je me suis engagé avec lui, ils l'ont canné ces bâtards. Ok, mais s'ils l'ont canné, qui t'a pris en otage? Le FBI, parce qu'ils m'ont trouvé sur l'île. Ah, ok, ok. Le FIB, pardon. Ok, et Strud, il est venu et il t'a libéré du FBI? Ouais, Strud, bah là c'est le... à l'heure actuelle. C'est moi qui ai mis les explosifs dehors. Sous le bateau? Non, j'ai mis des explosifs dehors et ils sont tous paniqués, ils sont partis voir ce qui se passe, ils sont cassés. Ouais, j'ai entendu une énorme explosion, mais t'es un baiser, toi. Il a son prime. Non, il est vrai. Non, ça a bien vu parce qu'à un moment on parlait et tout, et il était paniqué, il est monté d'un coup. Et Sar, depuis une heure, je joue avec lui à Splinter Cell, sa mère. Je dois faire semblant de m'évader. Et il faut qu'il fait des rondes, en fait, devant les cellules. Et je devais me cacher derrière les poteaux. Je sais pas si tu vois comment c'est... Ah bah oui, t'es venu me voir en cellule. Mais voilà, Harry. Putain, mais hé, du coup, tu vas essayer de lui monter la sauce, lui monter la tête. En gros, je t'explique. Tu sais pourquoi on a eu du retard? Pourquoi? Bah, avant que tu te réveilles, bah, en gros, bah, on est... J'ai chopé la puce de quelqu'un, je l'ai trouvée et il y a des données importantes dedans et on lui fait du chantage pour qu'il nous donne de l'argent en échange. Ouais. Et du coup, bah là il va le voir, il va lui faire monter la sauce. Tu vas lui faire monter la sauce quand tu vas le voir ou pas, Titi? Ouais, vas-y, je suis chaud. Junior. Ouais, je vais le faire payer, hein. Mais... En tant que Audi, tu lui dis, il y a des trucs de fou dedans, tu vas nous mettre dans la merde, paye l'argent. Bah oui, ça c'est clair. De toute façon, à cause de la puce, on peut subir une descente, vu qu'il a passé le téléphone depuis chez nous. Ah, mais c'est la puce d'un balas, d'un Familiz. Ouais, d'un Familiz, ouais. Et c'est qui ce guignol? Peut-être je le connais. C'est TG. Ah, je le connais. C'est un bon srab à moi. Ah bon? Ouais, une fois il m'a dit toute l'organisation des Familiz, je le connaissais depuis 2 minutes. Ah ouais, t'as dit quoi? Bah, c'était qui le OG, toi? Comment je m'appelle, moi? Tu t'appelles Junior. Ouais, t'es bien renseigné. Junior à la prod et non, y'a rien de nouveau. Et voilà, il m'a dit Junior. Il m'a dit plein d'autres blagues de Hassoul. Et j'ai arrêté de traîner avec lui parce que ça se voit qu'il est pas net, ce type. Merci pour les subs. Merci Mix Spike. Mix. Oula. Mix Psycho. Et du coup. Et Faxi Fraxi. Tu sais que tu vas devoir changer de num là, Junior. Ah, putain, puce quand même. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah ouais, ça coupe des fois. Ouais, c'est à cause du vent. Ou alors tu la gardes et tu. Ouais, faut que tu te changes. Tu te changes tout là, ta coiffure, ta coupe, tout. Ouais, je vais tout changer. C'est quoi ces sapes là? Mais là, il y a un avis de recherche sur moi là, ça veut dire non? T'es attrapé, t'es contrôlé, tu. Attends, j'entends rien, on va parler à la. Quand on arrive. Vent, Harry. J'ai même pas entendu. Le voilier, il est à son prime. Le bateau, il est grave à son prime, là. Pause, là. Désactive, active. Toi, tu conduis bien. Ouais, mais non, mais là, c'est pas que ça bug, c'est à cause du vent. Ça va, je te donne pas la gerbe. Toi, tu m'entends, toi, Junior?
Attends, ouais, je t'entends. Là, je vous entends mieux, là. M'entend pas. Ah, ok, ok. Là, c'est bon, je vous entends. Ouais, en rose, c'est là, toi. En fait, quand il y a des vagues, c'est là où je vous entends plus, quand il y a des vagues. L'oseille, ton pote. Ah, il est plein. Il est blindé. Moi? Allô? Ouais, ouais, ouais. Putain, je les entends pas, ça coupe trop. La calvitie de Shrud est à son prime. Ah, de ouf. Quoique là, non, elle est redevenue un peu normale. Mais avant, un jour, sa calvitie, elle faisait vraiment tout son crâne. J'ai fait... Là, tu nous entends, là? Je vous entends, ouais, mais... La de mer, mais quand il y a des vagues... On dirait vraiment né dans Fort Boyard, putain. Je te jure. Quand il y a des vagues, ça... ça mais moi, je l'entends pas, Boulbaba. Il y a un problème de vent ces temps-ci. Ahri! Attends, c'est Boulbaba, lui? Prime, Ahri! Ouais. Pourquoi? Attends, c'est le gars qui m'a volé des bijoux. Moi? Ah. C'est marrant, ça. Ah, c'est marrant, ça. Non, ah, non, non, c'est non, marrant, non. Ça. Ah, ça. Là, c'est je viens marrant. De sauver la vie du gars qui m'a... Non, c'est pas... Non, mais parce que t'as... En fait... Non, c'est pour ça qu'il t'a volé tes bijoux. Ouais, j'espère, il a une bonne mémoire et il va bien te payer. C'est un bon, c'est un bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oh là là, quand il y avait des vagues, j'entendais rien. Eh, active le vent et désactive le vent. C'est bon, j'ai fait ça 3-4 fois. Voilà, si t'as capté, nique ta mère si tu copes pas. Eh, Junior, tes bijoux, je te les ai pas volés, je te les ai vous pris. M'entendez ou pas? Ouais, ouais, moi je t'entends. Mais lui, je crois qu'il a un gros problème. Ouais, c'est lui, c'est attends, lui. Y avait pas un hélico là? Il a un problème avec ses oreilles et avec moi aussi. Ah, vous m'entendez pas là? Eh, tu sais quoi de toute façon? Eh, Boulbaba. Va te changer. Va te coiffer, etc. Tout ce que t'as au casino. Là, vous m'entendez? Ah là, on t'entend. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ah, ouais, ouais, ouais. Yo, bon, tu te rappelles de moi du coup, Boulbaba? Ouais, tes bijoux, je te les ai pas volés, je te les ai pris pour en faire encore plus d'argent puisque j'ai des plugs, j'ai des contacts. Plug en anglais. Ils ont bien poussé, c'est bon. Plug en anglais, ça veut dire contact. Et j'ai fructifié tes bijoux et j'ai plein d'argent à te donner maintenant. Ouais, nickel. On va être meilleurs copains, toi et moi. Ouais, attends, putain. Je vais voir si je peux te donner ça maintenant. Oh, bah du coup, les gars, je dois aller... Non, mais c'est bon, chill. Toi, tu sors de tôle, fais tes affaires comme il a dit, nettoie-toi, cherche tes affaires et tu me poseras un rendez-vous et je viendrai, c'est bon. Ça, j'allais rien lui donner, de toute façon. Merci, Junior. Oh, écoute, là, je dois bouger. Tout à l'heure, on se revoit tous les trois pour aller récupérer l'argent de la puce. Vas-y. Toi, Sreux, tu vas où, là? J'ai un rendez-vous pour l'association, je dois juste récupérer un don. Vite fait là et je reviens. Toi va te changer comme ça on gagne du temps. Ciao. Tu fais un truc, tout en même temps là. Coiffeur, changer les sapes et tout. Vas-y, je fais ça. Attends, viens, on trouve une voiture. Vous courez trop vite, bande de fils de... Comment ils courent pas vite. Reste digne, Ahri. Putain! C'est pas possible cette histoire! Putain! T'as pas d'argent, tu pourras rien acheter. Ah oui, c'est vrai! Oh, Strud! Ouais! Tu peux me dépanner 200$? Vas-y, viens, mon pote! Ça, je suis à sec, les gardes ils m'ont volé tout mon argent! Oh! Merci, mon chose. Ça reste entre nous. Wouhou! 10 000$! Il court vraiment pas vite. Ah, bah, je vais parler un peu avec lui. Wesh, tu cours pas vite, sale bâtard! Ok. T'es fini, toi, Ahri? Non! Toi, putain, enculé! Quoi? Change de coupe. Eh, me dis pas quelle coupe tu vas faire. Réserve-moi la surprise, je t'en supplie. Vas-y.
Mais en vrai, j'avais envie de faire chauve, t'en penses quoi? Mais il s'est cassé sans nous là, ce fils de pute. Il en a rien à foutre. S-Rud, j'ai eu quelques informations de la part. Mais toi, comment ça fait t'as plus de sous? T'étais censé être riche, t'as un casino. Mais je te dis, le gars du FIB, il m'a volé mes sous pour des hacks. Oh, fils de pute! Mais arrête de tourner autour de moi! Tu m'entends? Putain, c'est encore buggé. Ah. Oh. C'est encore buggé. Eh, hey, fais-toi discret. Eh, hey, faut une voix. Il me faut une voiture. Tu m'entends, Srud? Srud, tu m'entends? Putain, il nous faut une voiture. Srud, tu m'entends? Tu m'entends, Srud? Ouais, je t'entends. Eh, hey, j'ai parlé avec le mec du FIB. Il m'a donné des informations sur... sur la présidente et tout. Il t'a dit quoi? Moi, je lui ai demandé ce qui se passait dans la ville. Il m'a dit le président, il a démissionné. C'est Junior ça, non? Wesh. Mais c'est un baiser, lui. Descends de là, sale finito. Allez. Mais pourquoi tu lui prends pas? Wesh. Ah, elle a failli me baiser. Oh, t'as failli m'enculer. Putain, ça bug. Tu m'entends, Harry? Allez. Putain, c'est rien. Attends, vraiment, si je peux être un vrai frère pour toi. En fait. C'est qui ça? C'est Srud? Oh, Srud. Srud, tu m'entends? Oh non, Harry, me dis pas que tu m'entends. Que tu m'entends pas. Harry, va faire une petite sieste, Harry. Oh! Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Eh, prends la voiture derrière, je te l'ai posée. On se rejoint après, fais tout et on va faire le braquage après, ok? Vas-y, vas-y. Eh, attends, tu m'as dit quoi sur la présidente? Ouais, je te disais, attends, j'arrive. Oh, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Tu m'as dit quoi sur la présidente? Tu m'entends? Ouais, tu m'as dit quoi sur la présidente? Je te disais, attends, il veut quoi, lui? Je te disais, il m'a dit que le président, il avait démissionné, que maintenant, c'était la vice-présidente qui était présidente. Le proc, il est toujours là en place. Et moi, je pense que c'est un truc intéressant à faire à ce niveau-là, Harry. Pour qu'on soit à notre prime. Tu veux faire quoi? Eh, moi, je te le dis, je te parle ça, mon but ultime. Tu sais très bien ce que c'est, mon but ultime. Tu vois, les princes de la ville. Tu veux tuer les gens les présidents, la présidente ou quoi? Frérot, je dis pas que je veux la tuer, mais je veux qu'elle démissionne. Et qu'on passe un accord avec elle. C'est tout ce que je veux. Je pense que c'est un truc très intéressant à faire là-dessus. Parce que okay. Moi, j'en ai besoin pour me blanchir de toute cette affaire. Parce que je vais vivre caché. Là, au moindre contrôle, je suis dans la merde. Là. Ok, mais si tu veux faire ça, il faut que tu fasses de manière propre. C'est-à-dire, il faut trouver des proches de la présidente. Je crois qu'elle est enceinte, elle est mariée. Faut prendre en otage son mari et essayer de faire quelque chose avec ça. Ok. Ah, elle a un mari. Tu sais quoi, va te changer, va chez le coiffeur et on se pète tout à l'heure. Moi, le mec, il est en train de me casser les couilles. Ah, vas-y, vas-y, Harry. Vas-y. L'argent. Oh non, me dis pas que j'ai plus d'argent. Ouh, j'ai toujours l'argent, c'est bon. Je vais peut-être aller chez le coiffeur d'abord avant. On sait jamais si je me fais contrôler. Ça m'avait manqué d'être en ville, sa mère. Ton avis sur le rappeur? Là, en fait, je voulais être méchant, mais ça sert à rien.
Eh mon ref, le rappeur là, Krell, Skrill, je sais pas comment prononcer, excuse-moi. Si ça te plaît de rapper, continue le rap mon ref, t'es... voilà. Tant que ça te plaît, c'est bon, je vais pas te dire arrête ça, je vais pas t'insulter, je sais pas quoi, j'ai grandi mon ref dans ma tête, tu vois. Mais au début, j'avoue que je voulais être méchant, mais ça sert à rien. Putain, il est fermé ce coiffeur. Mais les coiffeurs, ils sont fermés, j'avais oublié ça. Coiffeur, barbier. Hein? Oh, vas-y, on va aller là-dessus. Réel, Harry. Persévère, petit BG. Non, pas forcément. Il y a des rappeurs, ils perceront jamais parce que c'est claqué ce qu'ils font. Mais du moment qu'ils prennent du plaisir à le faire, autant continuer les refs. Voilà. Si c'est une passion, on s'en fout de percer, de je sais pas quoi. Moi, peut-être dans quelques mois, je vais essayer de faire une prod. Je vais kiffer le faire. Ça va m'amuser de ouf. Et je vais jamais percer, tu vois. Personne va m'acheter mes prods. Elles seront pétées contre un mur, tu vois. Mais je vais prendre du plaisir en faisant ça et c'est l'essentiel. Trop bon, trop con. Nina, 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 Nina. Allez, Inch'Allah, ce barbeur est ouvert. Non, non, s'il vous plaît, non. La conduite, beau gosse. Je suis désolé. Pas de galère. Fais attention sur la conduite et tu me répares aussi le véhicule. C'est Mason. Oui, tout de suite, monsieur. Pas de problème. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est Mason, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Bois d'eau, t'es essoufflé. Merci, merci. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, sa mère. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ils étaient quatre à l'intérieur. Il suffit qu'il y en ait un qui dise à Mason, il est recherché. Et je suis dans la merde. Ils sont partis. Ah, je vais vite partir d'ici moi. Oh là là, la coïncidence de ouf. Ah, j'ai eu peur sa mère. Putain, si c'était une autre patrouille, j'aurais été dans la merde. Oh là là, c'est loin. Mais les barbeurs, ils sont pas ouverts. Je vais faire un tweet. Je vais faire un tweet. Eh, vous saviez que autant pour moi, ça s'écrit comme ça? Non les gars, eh, petite leçon de français les refs. Autant pour moi, c'est quand on parle de quantité. Par exemple, quelqu'un va vous dire vous voulez combien de sucre? Et votre pote en a eu 4. Vous allez dire autant pour moi, j'en veux aussi 4, autant. Mais quand c'est pas pour la quantité, c'est autant AU plus loin TEMPES TEMPS pardon. Voilà. Brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Je suis un voyou de la thèse. Dis-moi que tu m'aimes. Et dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi dans les yeux. Normalement, ce barbeur, il est ouvert, si je suis pas où. Allez, allez, allez. Yes, 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 yes. Il est où le truc pour la coupe?
Non, non, non. Il est où le truc pour la coupe, s'il vous plaît? Mais non, pourquoi y a pas? Ah, je vais péter un plomb. Mâche plus feu. Faut un coiffeur, putain. Attends. Je suis au coiffeur, t'es allé balas. Anonyme, ouais, c'est bon, c'est en anonyme les refs, c'est en anonyme, vous inquiétez pas. Faut que t'ailles aussi chez le coiffeur IRL, mon ref, ça va plus. J'ai une coupe de fou. T'as pas d'argent, mais si, j'ai 10 000 euros, cousin, c'est ce que m'a donné Strud. Eh, y en a, on dirait, vous regardez, vous endormez pendant le live, vous revenez, vous mettez un commentaire, vous redormez. On dirait les darons qui regardent la télé. Tu changes de chaîne alors qu'il ronfle les copes bien comme il faut, tu changes de chaîne, il y a Romé, frérot. J'étais en train de regarder. Regarde, j'ai 10 000. Putain, il me faut un coiffeur. On arrive, Barber Jess. C'est ça, non, Barber Jess? Attends, il est où, Barber? Barber Jess. Ouais, c'est là, je crois, c'est là. Prends ta Merco, s'il te plaît. Il faut que j'aille au parking pour prendre ma Mercedes. Et les refs, le big plan masterclass dont je vous parle, c'est ce que j'ai parlé à Sreux, c'est ce dont j'ai parlé à Sreux tout à l'heure là, concernant la présidente et son mari. Vous inquiétez pas. Et putain, j'ai pas envie d'en parler en stream parce que les plans, ils vont se faire niquer après, comme d'hab, de toute façon. Mais hé, les refs, Amine et moi, on va devenir président et vice-président, sachez-le. Sachez-le. On va devenir président, vice-président. On va... au calme, je vous le dis, je vous le dis. On va tout baiser dans la ville. On va tout niquer. Par contre, on va se manger une mort RP bien vite. Enfin, surtout moi. Mais nique sa mère, c'est pas grave. Non, au calme, hey, notre plan, il pourra pas être niqué, je vous le dis. S'il est niqué, il y a des plaintes qui vont être envoyées au staff, c'est pas possible. Tu peux pas contourner ce plan, les refs. Vous allez voir. Ça sera ce soir? Normalement, oui. Normalement, oui. Je vous promets rien. Mais si c'est pas ce soir, c'est demain soir. Oh, j'ai eu peur, sa mère. Allez, va tout droit. Voilà, c'est bien. Putain, faut que les barbeurs ils se dépêchent, cousin. Où y'a un magasin de sable? Ici. Ok. Oh, j'en ai marre, y'a pas de barbeur, cousin. Bon, c'est sa mère, c'est pas grave. Je vais mettre un bob en attendant, ça fera l'affaire. C'est quoi la rêve de ton pull, BG? Mon pull, c'est... Je sais même pas, c'est une marque que j'ai trouvée sur Instagram. Une marque des... Je crois que c'est une marque russe. Ils ont genre 3000 abonnés, je crois. Moi, toutes les sables que j'achète quasiment, bon, à part Asos, c'est des marques qui ont 3000 abonnés sur Insta. Genre des marques américaines, russes, des marques mexicaines, des trucs bizarres. Mais je trouve ça stylé. Aïe, je me suis baisé ma mère, là. Ouh, ça fait mal. Bon, je vais me changer, je vais me faire une nouvelle tenue. Gothes, Carly. Elle est stylée, cette veste. Le t-shirt Gucci, je suis mort. Et dire qu'il y en a qui s'habillent vraiment comme ça, IRL. Ça me... Merde.
Oh le fuckboy. Ouais, c'était pas ça mon pantalon. Merde, il est passé où le pantalon Wesh cousin. Mais non, j'avais le pantalon Cloakers là. Ah, j'avais le pantalon Cloakers, j'ai le seum. Ah, c'est lui, c'est bon. Ouais, ça fait un petit flow comme ça. Ah, oh, le flow lamentable. Ok, je vais mettre un bob et ça devrait être bon normalement. Let's go. Je vais appeler Srut. Merde, j'ai pas de téléphone. Oh non, le seul endroit où ils vendent des téléphones, c'est à côté du Comico. Bon, vas-y, je vais y aller. Ça. Putain, la voiture, elle démarre plus. Oh, sa mère. Putain, j'ai la haine de sa mère. Faut que je me trouve une caisse, là. T-shirt XXXL. Ah ouais, de fou. Mais il y en a vraiment qui s'habillent comme ça, IRL, ça me tabasse. Ça, normalement, normalement, on a le droit à... On a le droit à une erreur de t-shirt de... T'as la Mala Gang de marque où t'achètes un t-shirt 800€ juste parce qu'il y a écrit Gucci dessus. Normalement, tu fais cette erreur une fois. Après, tu grandis dans ta tête, hein, ça y est. Tu grandis, t'achètes plus un t-shirt 800€ parce qu'il y a écrit Balenciaga ou Gucci dessus. Moi, je trouve ça absurde. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont de l'argent, c'est pas mon fric, ils font ce qu'ils veulent. C'est une robe à ce stade. Ouais. Le t-shirt il est badon. Ça tire là non? Wesh. Il y a un règlement de compte sa mère. Quel 800€ Barbès, oui. Bah frérot, c'est encore plus la honte d'avoir un t-shirt de marque du fake que t'achètes 30€. C'est encore plus la honte que... Je sais pas, tu veux imiter un style déjà claqué. Frère, je trouve ça trop pété. Le t-shirt là il est immonde. Tu vois, il est immonde. Ils ont juste mis leur logo avec le nom écrit en 4 fois sa mère. T'es un... Je sais pas, je trouve ça claqué. Après, Gucci, ils font des belles pièces. Mais il n'y a pas écrit Gucci dessus, ça je veux bien que des gens puissent acheter ça. Mais tout ce qui est juste Gucci pour que ce soit Gucci, je trouve ça pété en fait. Balenciaga, j'en parle même pas. Mais par exemple, Dior, ils font des... Putain, j'ai chaud à chaque... Ouais, mon ref, tu vas canner, je sais. Là, je prends ma voiture, je vais m'acheter un Fontel et je vais au Hanout. Et je parle avec personne, j'ai pas envie que ça me poucave. Non, j'allais pas faire ça. Moi, je suis énorme. Eh, c'est quoi ça? C'est quoi cette tenue? Moi? Ouais. Je suis un fuckboy. Oui, bon. Oh, ça va mon ref? Ça va et toi, tu dates, wesh? Oh, je suis mort. Zahama, t'es plus un gang des capuchés, t'es gang des bobs là. Là, je suis. Oui, bon. Mais ça, tu m'as auto-stab. Attends, mais t'es un mécano? Ouais, je suis au Bénis. Tu veux faire un bain? Ah, tu veux réparer ton véhicule là? Ouais, oh, s'il te plaît, répare-le-moi. Je t'appelle l'artillerie roule. Non, tu peux pas le réparer toi en bas, je te donne 2000$. J'ai pas de kit de répa, moi je fais les custom et tout, tu vois. Putain, j'ai le seum. Bah vas-y, je veux bien la réparer parce que là. Attends, vas-y, elle a qui cette voiture là? Au pire, tu te remets quelque part? J'ai ma moto. Ouais, s'il te plaît, ramène-moi quelque part. Ouais, je t'en. Vas-y, viens, je vais bien te ramener comme il faut là. Bien. Rentre dans ma moto là. Ramène-moi devant le Comico, bah je t'ai mis l'itinéraire là. Ouais, mets-la-moi bien. Tu me l'as mis, c'est bon? Ouais. Ah, je te l'ai bien mise là. Attends, va à gauche. Le truc là, Digital Den. Voilà, arrête-toi, je vais m'acheter un Fontel. Si, à quoi? Un Fontel, poteau. Ah oui, tu.
J'suis un fuckboy. J'espère que c'est le numéro de Sreud ça. Si tu veux, je l'ai, tu veux, je te donne. C'est 9923 ou pas? Ouais, c'est ça, ça. Oh yes. Ok, c'est cool. Je sais pas si elle va te répondre. Hein. Il m'a dit fait des trucs. Tu peux m'amener. Attends. Sreud? Ah bah. Oh Sreud? Ouais, c'est qui? C'est Boulbaba Berluni. Mais tu fais. Mais c'est quoi cette puce? C'est ma nouvelle puce. Mais comment ça? Bah, j'ai acheté un Fontel là, j'avais pas de Fontel et tout, depuis tout à l'heure je voulais t'apprendre. Mais attends, t'apprendre. Mais on t'a pris, même ta puce, on te l'a prise. On m'a tout pris, on m'a dépouillé. Oh, on m'a tout pris. Oh, ouais, c'est comment, t'as tout fait? Frère, barbeur, y'en a aucun, j'ai mis 808, il y a personne. Par contre, attends, c'est bon, j'ai changé ma tenue, je pense que ça ira pour ce soir. Vas-y, c'est quoi, je finis, je te rejoins. Bah, vas-y, tu m'envoies une pause vas-y, et j'arrive. Dans 5 minutes, vas-y. Je te ramène à la pause? Dans 5 minutes, Harry. Vas-y, s'il te plaît, reste Dean et répare ma Merco, s'il te plaît. Comment on fait? Masterclass, Harry. Mais reste Dean. S'il te plaît. ça me fume, ça. Et soit ton Prime, s'il te plaît, et répare ma Merco. Et on va la oui, customiser. Oui, les insultes sont insultées aussi. Vas-y, bon, répète en violon, s'il te plaît. En violon, oui. Ah merde, dis disco déjà. Qu'est-ce que tu fais? Et je suis sans miauler, non? Ah oui, merde, répète sans miauler, oui, c'est vrai. Oh, t'étais vraiment con, ça. Non, mais ça, c'est la nouvelle version, t'inquiète, c'est les PC V2. Ah oui, bon, tu fais des mises à jour, oui. C'est pas si. Eh, hey, deviens quoi, Boudizi? Ah, dernière fois que je l'ai vu, il est tombé d'une montagne, il a dit, j'ai la vie de ma mère, je vais dans la mer longtemps. Oh, il casse les couilles. Il casse les couilles, justement. Tu veux... Attends, oh merde. Ma Merco, elle est là, mais hey, je peux pas la faire spawn direct à Obélis. Oui, bon. Hey, je vais péter un câble. Putain, j'ai mal à la voix. Vas-y, viens, on va la faire spawn au Obélis. On va la ramener au Obélis. Range-la. Vas-y, attends. Vas-y. Tu peux rouler avec? Ouais, je peux rouler. Y'a la police, je suis en stress. Tu peux rouler? Ouais, je pense que je peux rouler un peu. Fouf! J'ai eu peur. Putain, je vais arriver demain au bénis comme ça. Ouais, les mecs, faut que je bois, je sais, faut que je bois. Putain, d'ailleurs j'ai soif dans la vraie vie aussi. Oui mais bon Oh yes, une pente. Let's go. Il me cogne, ma voiture elle démarre. Non, pourquoi ils font demi-tour? S'il vous plaît, pourquoi ils font demi-tour? C'est pas par là normalement. Allez, avance un peu, un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà, ici c'est bon. Vas-y, Harry. Merci, Harry.